J'ai toujours dit qu'il n'y a pas de favori pour la CAN. La CAN, l'équipe qui va être plus concentrée, l'équipe qui va être à 100%, c'est l'équipe qui va gagner la CAN. Surtout, voilà, c'est pas que sur le terrain, c'est dehors du terrain aussi. Donc voilà, je pense qu'il faut bien se préparer, il faut être vraiment à 100% et ça va très très bien passer. Je pense qu'on a l'équipe pour aller gagner la CAN ou pour aller chercher la CAN, mais voilà. La CAN, c'est tous les matchs sont durs. Il faut vraiment être à 100% de A à Z. Déjà, il faut arriver en demi-finale et après, on parlera. Il faut surtout être prêt, il faut être vraiment concentré. Ça va jouer en Côte d'Ivoire, la clim. Voilà, il y a beaucoup de choses qui vont faire que la CAN il va être un peu difficile. Surtout qu'après la Coupe du Monde, la regarde a changé. On voit que toutes les nations qu'on joue contre eux, on va dire on est l'équipe à battre. Donc voilà, maintenant, faut être à 100%. Il faut jouer tous les matchs à fond et de entamer match par match. Je pense qu'on a vraiment l'équipe. On a tous les ingrédients pour aller chercher cette CAN. Et on va tout faire pour amener la CAN au Maroc. Bah, je ne veux pas que ça se passe comme la dernière fois. Je ne vais pas dire plus. Je pense que c'est un plaisir de jouer contre lui. Ça va être un peu particulier parce que voilà, je suis tout le temps avec lui, on partage mes vestiaires, on joue dans le même club. Donc maintenant, voilà, on va être chacun contre l'autre, chacun il défend les couleurs de son pays. Donc voilà, je pense que ça va être un gros match contre eux, surtout que le Congo, vraiment, ils ont progressé par rapport au dernier match qu'on a joué contre eux. Je leur envoie juste un message, il faut, que, voilà, faut qu'ils restent concentrés et qu'ils soient prêts pour le match. Moi, on sait très bien qu'Amin, il a son rôle en équipe nationale. C'est un très bon joueur et c'est quelqu'un, voilà, c'est un leader aussi en équipe nationale. On était tous très très déçus de qu'il ne soit pas là avec nous en Coupe du Monde. Mais voilà, maintenant j'espère, Inch'Allah, qu'il va être avec nous à la CAN. Et voilà, on compte sur lui, on compte sur son talent et on sait que voilà, il va nous donner un plus.